Salut à tous les cosplayers! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan solde d'hiver, magasin Micromania. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé chez Micromania. Voilà, on a une poche avec quelques jeux, vous allez voir. On a un goodies. Et on va faire le débrief tout de suite de ce que j'ai trouvé. Alors pour commencer, bon, je me suis trouvé une petite pop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous l'avez peut-être vu dans le live au début, les pop que je regardais. Je me suis trouvé la pop de Marcus Fenix, de la célèbre licence Gears of War, sur les consoles de Microsoft, voilà. Donc je la trouve vraiment sympa, elle était à 9,99€ au lieu de 14,99€. Et vraiment, on a une pop très très jolie. Alors moi, personnellement, je la trouve un petit peu trop propre au niveau du visage, donc je pense que je ferai un petit custom, avec un petit peu de cendre, de noir, pour salir le visage. Peut-être aussi des éclaboussures de sang. Voilà, qu'elle soit un petit peu plus réaliste, parce que je trouve vraiment le visage un petit peu trop propre. Mais franchement, elle est très très jolie, avec l'arme de Marcus, avec la fameuse tronçonneuse. Voilà, pour 9,99€, je trouve que c'est une jolie pop de collection. C'est la pop numéro 474. Donc voilà, il y a plusieurs personnages, on a bien sûr les Boomers, on a Kate Diaz, voilà, on a plusieurs persos. Mais vraiment, je trouve que le Marcus Fenix est vraiment bien badass. Je pense que je ferai un petit custom que je mettrai. Je posterai la vidéo sur ma chaîne d'ailleurs. On a un petit contenu numérique inclus, je vois, à l'intérieur. Donc c'est peut-être des skins pour les jeux Gears of War. Ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, très joli pop de Marcus Fenix de la série Gears of War. Alors ensuite, en ce qui concerne les jeux vidéo, je vais vous montrer. J'ai profité, donc voilà, donc chez Micromania, en ce moment, pour les soldes, on a 5 jeux pour 20€, des jeux PS4 ou Xbox One. On a 3 jeux 360 PS3 ou Wii pour 9,99€. Voilà. Donc là, moi, écoutez, je me suis laissé tenter pour les 5 jeux pour 20€ sur Xbox One. Je vais vous montrer tout ça. Et vous le voyez, on a un joli steelbook. Et je vais vous faire le débrief de tout ça maintenant. Alors, pour commencer, je me suis pris un petit jeu de sport. Il s'agit de la série des UFC. Et là, c'est le EA Sports UFC sur Xbox One. Voilà, donc UFC, c'est des combats. Et apparemment, c'est fait par les créateurs de la franchise Fight Night. Fight Night, la célèbre franchise de jeux de boxe. Donc je pense qu'à mon avis, ça doit être très très sympa. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez, ce UFC. Donc je pense qu'il était sorti aussi sur... Donc il est sur One, il doit être aussi sur PS4. Mais je pense qu'il peut être vraiment très très sympa. Bon, pour 9,99€, il était à la base. Mais là, j'ai eu les 5 pour 20€. Voilà, donc ce petit jeu de sport UFC. Je me suis pris un jeu action-aventure. C'est le Murdered Soul Suspect. Jeu à la troisième personne. Ça aussi, ça peut être très très sympa. Un jeu petit original. Voilà, du coup, vous incarnez Ronan O'Connor. Donc c'est un inspecteur de police qui se fait assassiner en fait. Et ensuite, je crois que son âme ou son fantôme doit retrouver le suspect. Ou aider les autres policiers sûrement à retrouver le suspect. Je sais pas, je connais un petit peu l'histoire du jeu, mais je l'ai jamais fait celui-là. C'est édité par Square Enix, donc ça peut être très très sympa à faire. Bon, c'est un jeu qui est plutôt jeune maintenant, mais franchement, il faisait partie de l'offre. Donc je me suis laissé tenter pour ce Murder Suspect sur Xbox One. Tourner le dos au joyeux Denny qui s'est installé à Wellington Wells. Et percer les noirs secrets qui s'y cachent. Voilà, donc c'est peut-être ça peut être un jeu bien sympa, FPS. Suivez les scénarios de 3 personnages intimement liés. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un jeu qui est pas mal, ce Happy Few. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le connaissez, dans les commentaires. Mais il fait vraiment envie, celui-là, ce jeu d'action-aventure. C'est un Peggy 18 en plus, hein. Je pense qu'il est peut-être sanglant, je sais pas. Mais franchement, moi, il me dit bien. Ensuite, j'ai voulu me faire, je ne l'ai jamais fait, le Dishonored 2. Voilà, alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait attention. Alors en plus, je crois qu'il y en avait plusieurs. J'ai pris la version allemande. Voilà, bon, mais écoutez, je pense que peut-être je repasserai dans mon Micromania. S'il y en a d'autres, ils me le changeront avec plaisir, ça y a aucun souci pour ça. Ils sont très sympas. Mais bon, ouais, c'est dommage, c'est la version allemande. Bon, bien sûr, je crois qu'on peut... Alors attendez, je regarde... Ah non, apparemment, peut-être qu'on a que la langue anglaise et la langue allemande. Ah ben, il faudra que je le change alors. Si on n'a pas la langue française, il faudra que je le change. C'est dommage. Le Dishonored 2. Voilà.
sur Xbox One. Voilà, donc moi j'avais fait l'opus le premier sur PS3 et je ferai le deuxième. Donc j'espère qu'ils en ont d'autres. Il faudra que j'aille le changer celui-là. Si on a que la langue anglaise et allemande, c'est un petit peu embêtant. Oui, j'ai pas fait attention, mais bon. Je pense qu'ils me le changeront avec plaisir. Et le Steelbook, il s'agit du 2X Monkey Divided. Voilà, édition Day One avec le joli Steelbook. Donc je crois que c'est la suite du 2X qui était sorti sur PS3 360. Ça va être sympa à faire aussi, je pense. Ça peut être très très cool. Voilà, et le Steelbook, franchement, regardez ça, il est magnifique. Avec des jolis reflets argentés et dorés. Très très beau Steelbook. Même le derrière est un petit peu sobre, mais... un petit peu de collant là, non, c'est pas abîmé. Non, il est en très bon état. Quelques traces de doigts, mais sinon, il est en très bon état. Juste à nettoyer. Très très joli Steelbook. Franchement, moi, je les collectionne, les Steelbooks. Ça fera un joli Steelbook de plus dans la collection. Et très 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 sympa. Franchement, très sympa. Voilà, du coup, pour cette petite rentrée solde Micromania, solde d'hiver. Bon, écoutez... Je pense qu'il y aura d'autres vidéos soldes, je pense, sur la chaîne. On va voir un petit peu ce qu'on trouve en termes de jeux vidéo ou de goodies. Moi, les amis, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!